À l'occasion de la présentation des vœux à la presse, comme à chaque début d'année, le président du département, Cyril Melchior, a reçu les représentants des rédactions de Lille ce jeudi 5 janvier au Palais de la Source. Entouré des vice-présidents, Béatrice Sigismo, Augustine Romano, Éric Ferrer et Gilles Hubert, Cyril Melchior a salué la qualité du travail des journalistes locaux. Sur un petit territoire comme La Réunion, je voudrais saluer votre travail, saluer la qualité de votre engagement citoyen au service de l'information des Réunionnaises et des Réunionnais. Face à l'instantanéité de l'information, la liberté et la pluralité de la presse sont précieuses dans un contexte de conflit. Et chacun, que l'on soit citoyen élu, doit en être le garant et permettre aux journalistes de travailler, de poursuivre leur métier de messager de l'information. Après avoir souhaité une année 2023 épanouissante de santé et de bonheur aux Réunionnaises et aux Réunionnais, le président a passé en revue les projets à réaliser pour les années à venir. 2023 sera certainement une année aussi difficile, disons-le clairement. C'est pour cela que nous allons poursuivre nos travaux, pour accompagner toujours les plus faibles, les plus fragiles, les jeunes qui sont en difficulté d'insertion et qu'il nous convient d'accompagner, mais je pense aussi aux jeunes qui ont réussi, qui ont fait l'effort de faire des études, qui se retrouvent éloignés de La Réunion et qui voudraient revenir travailler dans les entreprises réunionnaises. Eh bien, nous allons lancer un appel à projet pour qu'il y ait un LinkedIn 97.4, c'est-à-dire un site permettant de mettre en connexion les entreprises, les collectivités réunionnaises et les jeunes réunionnais qui n'arrivent pas à revenir travailler dans l'île. L'accompagnement des personnes âgées, parfois porteuses de handicap, avec l'ARS, nous avons un plan qui va nous permettre dans les prochaines années, et on va démarrer ce plan en 2023, de créer 2000 places d'accueil supplémentaires pour les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap, ce qui représente 50% de plus en capacité d'accueil. Et nous voulons poursuivre le développement et l'aménagement de l'île à travers l'agriculture qui va nous permettre de tendre vers la sécurité alimentaire. Agriculture, aménagement de l'île avec un niveau d'investissement de 190 millions d'euros qui nous permettent de donner du travail aux entreprises et donc aux salariés des mêmes entreprises pour des travaux sur les routes, dans les collèges, sur nos bâtiments, au niveau de l'irrigation par exemple, sans oublier bien évidemment le volet écologique avec notre plan 1 million d'arbres que tout le monde connaît et le fait que nous voulons être une collectivité à énergie positive. Donc ça c'est pour le volet investissement. Je ne vais pas oublier la promotion de chaque Réunionnaise et Réunionnais à travers le sport et la culture. 2023, Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar. 2024, les Jeux de Paris, Jeux olympiques. Nous allons accueillir la flamme olympique ici. Et le département veut être un acteur qui permet à toutes les personnes qui le souhaitent de participer à ces événements à travers les ligues et les comités. Et sur le volet culturel, nous avons fait la proposition que le musée donc, de Villèle se transforme en musée de l'habitation de l'esclavage parce que dans l'océan Indien, ce site n'existe pas vraiment et nous avons à Villèle la possibilité de réaliser donc un grand mémorial autour de l'esclavage. C'est ce que nous voulons faire. Un ensemble d'actions et de propositions ambitieuses que le département souhaite inscrire en faveur d'une meilleure cohésion sociale sur le territoire en 2023.